il y a certains éléments en fait qui sont vraiment importants pour moi. C'est de prendre en compte le besoin et le futur de carrière de l'étudiant en question. Si un étudiant veut aller en recherche, bon, c'est sûr qu'on va beaucoup plus l'impliquer dans la recherche. Par contre, si un étudiant veut s'impliquer beaucoup plus au niveau communautaire ou dans l'enseignement, je vais essayer de l'amener justement à participer à des activités d'enseignement. On va être amené à leur inculquer non pas simplement une formation de scientifique, mais aussi une formation, je dirais, de bons citoyens avec une implication communautaire. L'implication au niveau de la société, une fois que tu y goûtes, tu as la piqûre un peu aussi. On a cette liberté-là, générer des activités, laisser aller notre créativité, puis justement rencontrer le public pour transmettre nos connaissances. Et puis ça, c'est important aussi à long terme pour leur carrière, pour leur CV. Quand on commence une formation, des fois, on ne sait pas nécessairement exactement qu'est-ce qu'on va aimer faire plus tard, toute une vie durant. Donc, de pouvoir toucher à différentes sphères d'activité, ça nous permet d'identifier ce qu'on aime plus, ce qu'on aime moins. Offrir aux étudiants une multidisciplinarité, en fait, au niveau des expertises, au niveau des techniques. Chaque étudiant est impliqué spécifiquement dans un projet, mais pour avoir le big picture du projet, il faut que l'ensemble des étudiants travaillent ensemble. Puis cette dynamique-là est intéressante parce que ça nous permet d'en connaître vraiment beaucoup sur plein de sujets. Quand on fait une rencontre de laboratoire, on n'est pas juste sur notre projet, on entend le projet de 20 personnes différentes. Comme je dis toujours, seul on avance vite, mais ensemble on avance plus loin.